nous vous présentons la cinquième génération du Mitsubishi L200. La première date déjà de 1978 et plus de 4 millions d'exemplaires ont été vendus depuis. Avec la quatrième génération, Mitsubishi a révolutionné le design traditionnel du pick-up et le L200 a évolué d'un cheval de trait viril et purement fonctionnel vers un sport utility truck à l'allure plus élégante. Une tendance qui ne se dément pas avec la cinquième génération. Le pick-up gagne en popularité. Ce type de voiture est depuis toujours très fonctionnel. Mais il ne faut plus s'appeler Bob le bricoleur pour l'apprécier. Grâce à sa multifonctionnalité, le pick-up cadre aussi parfaitement avec un style de vie actif car il peut être aussi bien utilisé comme véhicule tout-terrain, tracteur ou voiture familiale. Mitsubishi exploite habilement cet atout en proposant deux versions du L200, le Club Cab et le Double Cab. Le Club Cab met l'accent sur la capacité de charge utile avec un espace de chargement de 1,85 m et une cabine équipée de sièges d'appoint à l'arrière. Le double cab combine un habitacle suffisamment spacieux pour 5 personnes avec un espace de chargement de 1,52 m. Des accessoires tels que la full box ou le hard top rendent le pick-up encore plus polyvalent. Le design Mitsubishi se distingue typiquement par ses lignes fluides, faisant en sorte que le pick-up ne ressemble plus à un bac carré. Le concept G-Line, qui arrondit le bas de la cabine du double cab, confère un rayonnement plus dynamique au L200. Un caractère accentué à l'avant par une grille de calandre plus structurée, qui déborde élégamment dans les phares xénon avec feu de circulation diurne LED intégré. Lors du développement de la cinquième génération du L200, Mitsubishi s'était fixé quelques objectifs bien précis. Le pick-up devait non seulement être encore plus élégant, mais la différence devait également être clairement perceptible en termes de confort, de plaisir de conduite, de fonctionnalité et de durabilité. Mieux encore, le nouveau L200 devait en matière de confort de conduite davantage se rapprocher d'une voiture de tourisme. Un nouveau châssis plus robuste et une meilleure suspension améliorent d'ores et déjà aussi bien la tenue de route que le confort. L'attention qui a été apportée à l'amélioration de la qualité est visible à tous les niveaux. Le L200 est plus silencieux, les vibrations sont moins importantes et grâce à l'utilisation de matériaux plus raffinés, son look a également été amélioré. Grâce à la qualité des sièges, le confort se rapproche de celui d'une voiture de tourisme. Et le concept G-Line permet d'incliner davantage le dossier de la banquette arrière, ce qui augmente le confort à l'arrière. Grâce à l'utilisation d'acier de qualité supérieure, le Mitsubishi L200 est non seulement plus solide, mais aussi plus léger. Ce double cab pèse 1875 kg, soit jusqu'à 500 kg de moins que certains de ses concurrents. Ce poids réduit profite non seulement à la tenue de route, mais aussi à la consommation. Afin de réduire aussi bien la consommation que les émissions, le L200 a été pourvu d'un moteur turbo-diesel en aluminium léger de 2,4 litres, avec système de distribution variable sophistiqué, disponible en deux versions. Il y a la version de 154 chevaux et 380 Nm, exhibant une consommation moyenne de 6,9 litres au 100 km. Pour ceux qui veulent plus de puissance, il y a la version de 181 chevaux et 430 Nm avec une consommation moyenne de 7,5 litres au 100 km. Et en fonction de la version, on a le choix entre une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et une boîte de vitesse automatique à 5 rapports. Il y a aussi le choix entre deux systèmes de propulsion. Grâce à Easy Select, vous pouvez tout en roulant activer ou désactiver les 4 roues motrices jusqu'à une vitesse de 100 km/h. Seule l'activation ou la désactivation du mode 4x4 en rapport court nécessite l'arrêt. Si vous souhaitez utiliser le L200 pour un travail de terrain plus intensif, il y a le système Super Select 4-Wheel Drive. Ce système fonctionne de la même manière que le système Easy Select plus simple, mais offre en outre la possibilité de bloquer le différentiel central à des vitesses élevées, ce qui fait que le L200 peut en toutes circonstances être qualifié de 4x4 permanent, ce qui est unique dans ce segment. Le Mitsubishi L200 n'est pas seulement efficace sur le terrain. Avec une capacité de charge utile d'une tonne et une capacité de remorquage de 3100 kg, il convient aussi parfaitement en tant que tracteur.
Il est d'ailleurs équipé d'un système ESP adapté qui contrôle la stabilité de la remorque. Le nouvel assistant de voie de circulation, l'aide au démarrage et le régulateur et limitateur de vitesse contribuent à vous assurer une meilleure protection. Sans oublier la caméra qui vous donne un meilleur aperçu de l'environnement immédiat du véhicule lors de manœuvres de stationnement. Non seulement la sécurité active du L200 a été améliorée, mais sa structure plus robuste garantit une meilleure protection aux occupants et l'équipement de sécurité a été élargi à un airbag genou. Le Mitsubishi L200 est non seulement le pick-up le plus léger de sa catégorie, mais il a également, avec ses 5,9 mètres, le plus petit rayon de braquage. Ce qui est non seulement pratique pour manœuvrer, mais le rend aussi plus maniable dans le trafic urbain. Le Mitsubishi L200 convient plus que jamais à un double usage. D'une part, en tant que cheval de trait pratique, et d'autre part, en tant que véhicule de loisirs multifonctionnel. Et il est en outre fiscalement intéressant.